J'espère que vous allez bien. Alors, bien, j'ai oublié d'enlever le pied là, on le voit. Oh, ici. C'est le pied pour prendre des vidéos un petit peu. Là, je voudrais vous filmer un truc pour Instagram. Il est dans le. J'ai pas vu. J'ai aussi des cartes postales d'automne à mettre. Hein, il serait temps que je le fasse. Voilà, je voulais vous dire, ben là je vous ai fait une petite vidéo avant de démarrer celle-là, où vous me voyez travailler sur les SMS, pas du tout, sur Instagram. Donc c'est vraiment un truc que je prends le temps, le matin je me lève, je traite tous mes mails, je regarde les mails les plus urgents, je les traite. Donc souvent ça va être des ventes ou des questions de clients ou un problème de stock bloqué sur Amazon par exemple, comme ça arrive de plus en plus, là ça devient infernal, j'ai envie d'arrêter. Le problème c'est que si j'arrête avec Amazon, c'est quand même Amazon qui me fait plus vivre que mon site, donc c'est aux gens d'avoir la... Mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ceux comme vous qui me suivez sur YouTube ou sur Instagram vont sur mon site. Peut-être que dans ces personnes-là, il y en a toujours qui vont sur Amazon parce que ils ont plus d'intérêt à aller sur Amazon. Et puis voilà. Mais en général, j'ai bien vu que c'est une autre clientèle, en fait. Là, je touche une autre clientèle, vraiment. Et aujourd'hui, vivre uniquement des ventes de mon site, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est plus que compliqué. Donc déjà, en travaillant avec Amazon, je vis très, très humblement, très simplement. Donc je suis un peu embêtée, quoi. Parce que je peux difficilement me passer d'Amazon. Surtout qu'aujourd'hui, les réseaux, on ne se développe pas aussi rapidement qu'il y a 2-3 ans, voire 5 ans. Voilà. On ne trouve pas la clientèle qu'on trouvait il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Enfin, 10 ans, je sais pas, il y a 10 ans que ça existe, ça peut-être pas quand même. Hein. En tout cas, il y a 5 ans, voilà, c'était plus facile de trouver de nouvelles personnes. Moi, je me suis mis un peu sur le tard sur Instagram, donc ça m'a pas aidé. Alors, je sais que beaucoup me parlent aussi de TikTok, mais alors TikTok, j'avais commencé, j'étais à Bali, mais ouais, déjà tellement de trucs entre YouTube, entre ça, m'en rajouter un, c'est bon quoi. C'est. Alors oui, l'utiliser pour faire quelques petites vidéos, mais ça prend du temps tout ça, c'est ingérable à un moment donné. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Oui, pour vous dire que donc ce que vous venez de voir filmer, c'est quand je prends le temps, après avoir traité mes urgences, de me mettre dans mon petit canapé bien installé
et de travailler tout simplement mon Instagram. Donc je regarde les messages, je fais les pubs, je fais mes stories. Voilà. Voilà ce que je fais aussi souvent le matin. Là, je faisais ce petit vlog pour vous dire que là, je suis en plein montage. Donc, on est jeudi 6 octobre et je monte déjà le vlog pour le week-end qui arrive. Pour que vous puissiez l'avoir. Donc, vous aurez pas cette vidéo forcément. Puisque là, je suis à la fin du montage. Je vous montre ça vite fait. Hop, voilà. Comment que ça se passe? Vous voyez? Donc voilà, je fais là, j'ai coupé voilà, avec la musique derrière. Et donc ce que je fais, c'est que des fois, bon bah, soit je laisse en vitesse normale et puis je coupe pas mal de séquences pour ça. Sinon vous allez être une heure avec moi, juste pour un petit peu d'avancée de dessin. Et sinon je mets tout en accéléré. Voilà, c'est des trucs que je fais. Donc voilà. Je vais poster ça. Et là, dans ce vlog-ci, je vais m'atteler à faire quelques petites lectures. Parce qu'on est déjà... Ça va vite, hein. Moi, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Si, je sais à peu près ce qui se passe. Mais il y a une accélération du temps. Il y a une accélération du temps qui est très impressionnante, qui est très... j'ai envie de dire visible, mais surtout dans le ressenti, quoi. C'est assez impressionnant. Je sais que je suis pas la seule à vivre ça. On a une accélération du temps, on a des vibrations, on vibre à d'autres fréquences qui font que le temps passe. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais les personnes qui vivent à une certaine fréquence vont voir le temps défiler. Moi, je vois pas les semaines passer. Là, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que là, je vous fais une vidéo, mais ça va prendre du temps sur le peu de temps que la journée passe trop vite. Et là, il faut vraiment que j'accélère l'oracle d'Opale. J'aimerais vraiment le finaliser pour que pour qu'en janvier, je sois déjà sur les maquettes, à faire l'oracle sur les maquettes, sur l'ordinateur. J'aimerais idéalement l'avoir fini fin décembre. Challenge. Challenge, mais réalisable. Je m'avance un peu, hein, parce que maintenant, c'est plus comme avant. Avant, j'avais une nounou à Bali, j'avais beaucoup d'aides qui font que j'avais beaucoup plus de temps pour travailler. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Donc, je dois lâcher prise sur le temps. Et malheureusement, un oracle avant, je pouvais le faire en 3 mois. Aujourd'hui, on compte le double. Voilà, parce que j'ai pas du tout le temps que j'avais auparavant. Mais voilà, j'ai vraiment envie de bien avancer cet oracle pour... Après, je ne veux pas trop vous avancer sur ça parce que la vie est faite de pleine de surprises, surtout avec cette nouvelle mission qui m'est donnée aussi, donc en parallèle. Donc, mais j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien quand même pouvoir vous dire qu'en janvier, bah, ça y est, j'attaque tout ce qui est travail maquettiste, hein, c'est-à-dire l'oracle dans sa confection graphique sur l'ordinateur. Après avoir scanné toutes les peintures, avoir écrit tous les textes qui seront déjà avec la correctrice. Voilà, en janvier, j'aimerais... D'ailleurs, il va falloir que je contacte ma correctrice. Je ne l'ai toujours pas contactée. En même temps, j'ai écrit qu'un texte pour le moment. Donc, voilà. Je me base souvent sur 44 cartes. Pourquoi 44? Parce que c'est le 4, j'aime beaucoup. Le 4 et le 7 sont des chiffres que j'aime beaucoup en vibration. Le 4... 4 fait 8, donc 8 l'infini, 44 ça fait vraiment la stabilité aussi, j'aime beaucoup. Ça fait un... Voilà, c'est vibratoirement parlant, j'aime beaucoup ce chiffre, donc je me base sur 44 cartes. Après maintenant je verrai hein, si j'ai plus d'inspiration au bout de 40, enfin je sais pas, je vais voir, je me laisse guider, vous savez comment c'est, je peux pas trop m'avancer. Les textes, donc je répète que cet oracle sera vraiment des textes particuliers, puisque ça sera des textes, ce sera une incantation par carte. Je me laisse guider encore une fois, peut-être qu'il se greffera d'autres choses dessus, mais le but c'est ça. Voilà, donc les textes, souvent je les écris le soir. Voilà, bon. Donc je sens que ça va s'accélérer avec l'automne, mais on est déjà en automne, mais bon, ici il fait tellement... Là on est dans le sud, il fait, regardez, je suis comme ça, je pourrais même ouvrir la fenêtre, d'ailleurs je vais l'ouvrir. Il fait bon, quoi, il fait 25 degrés. Mais je sais qu'après ça va, je pense que je vais être très occupée en novembre dessus, bien que je fasse une tournée de van life aussi fin octobre début novembre. Je reprends mon van
pour aller visiter aussi, pour me balader un peu à droite à gauche, pour visiter des terrains que j'ai remarqués. Voilà, donc, et puis c'est les vacances, mais bon, pour ma petite. Le temps passe trop vite, je vous le dis, moi, le temps passe trop vite. Je sais pas ce qui se passe. Je pense vraiment qu'il y a une évolution et une vibration de la Terre qui est en train de s'intensifier. Et en tant que personne qui... je suis loin d'être la seule, hein, parmi vous, bien sûr, aussi ceux qui regardaient cette vidéo, vous êtes comme moi. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Il y a une vibration, on va vibrer sur des fréquences beaucoup plus hautes. Et on va vibrer en fonction de la vibration de la Terre, de ce qu'elle attend de nous. C'est pour ça qu'il va y avoir une séparation. Enfin, après, je m'avance un peu en disant ça, mais pour moi, il va y avoir une séparation de deux mondes. Mais deux mondes, bah, il n'y a pas y aura deux planètes. On va vivre sur la même planète, sauf qu'il va y avoir une séparation au niveau des vibrations. Et je pense que vous allez vous en rendre compte de plus en plus avec ce temps qui s'accélère. Vous verrez que les personnes connectées comme vous, éveillées sur des taux vibratoires qui sont égales aux vôtres, vivront les mêmes choses que vous. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes qui resteront dans une, malheureusement pour eux, mais en même temps c'est leur chemin, hein, une plus basse vibration, et qui vivront d'autres choses. Malheureusement, souvent, ces gens-là, vous allez le remarquer de vous-même, vont être souvent les mêmes types de personnes, des personnes qui se sont laissées omnubiler par leur poste de télévision, qui se sont laissées manipuler au niveau de l'intellect, au niveau de leur vibration, au niveau moral, au niveau spirituel. Ils se sont laissés manipuler par leur poste de télévision et de tout ce qui, voilà, tout ce qu'on nous envoie. Moi, j'ai pas de poste de télévision, tant mieux. Moi, je me sers de mon ordi pour regarder quelques films et point barre. J'ai YouTube quand je veux un documentaire ou quand je veux m'informer quelque chose. Mais je m'informe certainement pas dans certains médias. Donc, cette population qui se sont et qui continue à se faire matraquer la tronche de ces gens, de ces gros manipulateurs qui veulent à tout prix en faire des objets, tout simplement, ben vous allez voir qu'ils vont vibrer à une autre fréquence. Vous allez peut-être aussi vous rendre compte que vous allez devenir invisible à leurs yeux. Vous allez les voir, mais ils vont pas forcément vous voir. Vous allez peut-être être amené à faire la queue à un endroit et ils vont vous passer devant parce qu'ils vont pas vous voir. Vous allez vibrer autrement, donc vous allez devenir un peu invisible quelque part parce que vous vibrez sur une autre fréquence, mais on restera sur la Terre. Moi, c'est ce que je suis en train d'expérimenter, c'est pour ça que j'en fais part, je l'expérimente actuellement, au point que je marchais et on m'a bousculé les personnes marchaient devant, ben, c'est incroyable quoi. Bon, ben voilà. Et ils me voyaient pas, ils me rentraient dedans, quoi. Ils voyaient pas du tout. Donc ça. Pardon, ça a coupé, j'ai reçu un appel. Donc voilà. Et en fait, ils marchaient là devant moi, c'est moi qui ai dû faire ça à chaque fois parce qu'ils me voyaient pas, mais c'est un truc de fou. Ça m'a vraiment fait drôle, quoi. J'ai l'impression d'être invisible. Et à un moment donné, il y a une personne, elle m'a quand même bousculée. Elle a fait comme ça, comme si elle se demandait qu'est-ce qu'elle vient de bousculer, quoi. Voilà. Mais j'expérimente de plus en plus de trucs un petit peu bizarres. Et après, je commence à me l'expliquer parce qu'heureusement que je suis pas la seule et je parle avec certaines amies qui sont sur le même taux vibratoire que moi et qui expérimentent un peu le même genre de choses en ce moment. Enfin bon, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Mais je pense que la vibration là, on va la sentir. On va la sentir changer. Vous allez la sentir changer en fonction de votre évolution aussi, bien sûr. Bon allez, je vais arrêter là. Je vais me mettre à peindre là. Et je vous retrouve certainement demain pour une lecture. Je sais pas si. Je me dis qu'il faudrait que je fasse un petit tirage, mais en même temps, ben vous savez quoi? Le problème, c'est que quand je fais un tirage,
il faut tout que je remette, que j'enlève toute la table de dessin, parce que c'est sur la même table. Et quand je suis en création artistique, ça me saoule de devoir tout ranger à chaque fois et remettre. C'est ça qui me bloque. Bon, je vais voir. Bisous. Bonjour mes chers. Alors, on va faire une lecture du grimoire, le grimoire d'Opale. On va regarder ensemble deux incantations du mois d'octobre, puisqu'on est dans ces énergies-là. Je rappelle que le mois d'octobre est accompagné de la vibration 10, son chiffre qui nous accompagne tous les mois. Hein, c'est un chiffre qu'on revoit tout le mois d'octobre. Et sachez aussi que là, on vient de passer une pleine lune. La pleine lune en bélier, ce fameux week-end. Donc là, je vous enregistre cette vidéo. On est quand même déjà jeudi. Je ne vois pas où le temps passe. Je sais que je ne suis pas la seule. La vibration de la Terre est en train de s'élever et le temps passe à une allure folle. Donc là, on est jeudi alors que j'ai l'impression qu'on est mardi. Le week-end qui vient de s'écouler. Donc on est le 13 octobre, donc le week-end d'avant. Ah bah oui, de toute façon c'est simple puisqu'il y a eu le portail du 10-10 et il y a eu donc cette pleine lune juste avant. Elle a été très costaud, elle a été chercher en nous les injustices mais aussi les manques d'équilibre, que ça soit dans nos relations, que ça soit dans n'importe quoi de notre vie, les manques d'équilibre, ce qui manque d'équilibre dans notre vie. Donc ça a pu venir chercher, on peut avoir des sentiments de vide, on peut avoir des sentiments de déséquilibre. Voilà. Et elle nous a aussi demandé de rééquilibrer nos énergies. Yin-yang. C'est-à-dire qu'on est souvent, qu'on soit homme ou femme, on a toujours une polarité qui est beaucoup plus importante que l'autre. Donc, polarité féminine ou masculine. Et on va... il va falloir. Je sais que certaines personnes n'aiment pas quand on dit « il faut ». Mais c'est maintenant, la Terre augmente en vibration. Beaucoup de choses sont en changement et en transformation dans l'humanité, mais aussi au niveau terrestre, dans les vibrations et dans les énergies. Il y a énormément de gens, je sais, qui sont en résonance avec moi. La plupart des personnes qui suivent les vlogs sont en résonance et donc savent très bien de quoi je parle. Tout ça pour vous dire qu'on a une élévation du taux vibratoire. C'est le moment de changer les choses, de nettoyer, de guérir nos mémoires. Toute personne n'est pas concernée, vous allez me dire, ben moi j'ai ma voisine, elle s'en fout totalement, elle n'est pas du tout spirituelle, etc. Ok, c'est son chemin. Les êtres éveillés, on leur demande de diffuser aussi de l'amour, ok, de l'amour universel. Alors, j'ai fait une méditation ce matin et j'ai reçu une belle méditation de recevoir l'amour universel et la lumière divine en soi pour réparer toutes nos particules de lumière, mais aussi nos particules, nos cellules dans nos corps astral et dans nos corps physiques aussi. Voilà. Me demandez pas plus, hein, moi je me laisse guider. Tout comme ce grimoire a été vraiment guidé, alors il y a un petit peu de moi à travers les recettes, hein, il y a un petit peu de moi aussi, mais il y a beaucoup de opale, c'est pour ça que c'est le grimoire d'opale, parce que opale étant mon nom spirituel reçu en méditation, ce nom un petit peu de sorcière qui revient dans les temps modernes. Alors sorcière, méchante, gentille, il y a eu de tout dans mes vies passées, hein, forcément, on passe par des épreuves, on passe par des étapes, et on grandit. Certes, j'ai été aussi, voilà, je me suis vue aussi, bien sûr, guérisseuse, etc., dans le bien-être. Et donc, le grimoire d'opale a son but dans le sens où il est là pour apporter un soulagement, une sérénité, une sagesse aux éveillés qui l'auront entre les mains. Et il apportera aussi un bien-être et il recodera, bien sûr, dans vos cellules, des données importantes. Ça a été reçu en canalisation. Dans les incantations, voilà, hein, donc dans les incantations. Après vous avez des textes aussi, hein, je rappelle, qui sont moi et opale en fait, hein, c'est un petit peu de moi et un petit peu de opale, cet être spirituel qui m'habite, mais, cet être spirituel qui m'habite, c'est moi, hein, c'est mon âme aussi, c'est voilà, c'est tout un cheminement qu'il y a derrière. Mais les canalisations des incantations sont vraiment... on va dire opale en canalisation avec les êtres et esprits de la terre, voilà, et des éléments, les esprits de l'eau, de la pluie, les esprits du feu, les esprits, voilà, enfin, vous connaissez déjà la chanson, comme on dit. Je suis partie loin, pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi ce portail du 10-10, hein, en octobre, donc vous voyez, le 10-10 a fait un portail très important de renouvellement cellulaire, c'est comme ça que je l'ai compris en guidance.
Certaines personnes ont parlé de portail énergétique. Je m'en suis pas trop occupée, mais c'est vrai que moi, je l'ai personnellement extrêmement ressenti comme une énorme mise à jour. Je ressens beaucoup de mises à jour depuis septembre, hein, de toute façon, mais là, entre la pleine lune et le 10-10, beaucoup, beaucoup, beaucoup de prise de conscience. Voilà. Et des dons qui se développent, et des perceptions sur la 5D aussi. Selon votre niveau, votre éveil, selon là où vous en êtes dans votre parcours, vous allez ressentir plus ou moins ces choses-là. Notamment peut-être des perceptions très sensibles ou des chansons qui reviennent. Écoutez bien les paroles, elles ont un message pour vous. Ça peut être une âme qui vous parle à travers des chansons aussi, que vous percevez, qui arrive comme ça dans votre tête aussi, sans comprendre pourquoi. Écoutez bien. On rentre vraiment dans une vibration, voilà, 3D, 4D, 5D. Donc 5D, on la reçoit souvent. Enfin, on s'en rend plus compte dans la nuit. Hein, on fait la part des choses entre un rêve et un vécu sur le plan astral, sur le plan 5D. Donc moi, je vis énormément de choses comme ça en ce moment et c'est certes perturbant, mais en même temps, ça fait partie de mon parcours et je sais que c'est pour évoluer. Je sais que ça me servira aussi certainement dans l'oracle d'Opale qui est en train de se créer, hein, à travers mes peintures, à travers les écrits. Alors les écrits, je n'y suis pas trop encore, hein, je suis plus dans les peintures pour le moment. Je suis beaucoup dans les mises à jour de mon être, donc c'est pas facile. C'est pas facile parce que les semaines passent très vite et en plus j'ai des coups de fatigue assez intenses. Donc je sais que mon corps a besoin de se reposer parce qu'il reçoit énormément de données en ce moment, de données énergétiques. Il y a beaucoup de prise de conscience dans plusieurs niveaux de mon être. Et au point de parfois marcher dans la rue et de me sentir en total décalage avec ce monde. Sauf avec certaines personnes qui vibrent sur la même fréquence que moi. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est pas facile. Ça mérite aussi beaucoup de repos. Donc, c'est pour ça que ça avance tout doucement, l'oracle d'Opale, mais ça avance. Ça avance. Donc là, je prends le temps quand même. On est le soir et je me suis arrêtée de peindre justement une des peintures de l'oracle d'Opale qui est le tournesol. Le tournesol est tout un symbole et on le verra dans le texte qui accompagnera cette peinture. Qui sera bien sûr une incantation. Vous le savez, pour ceux qui me suivaient, que cet oracle va être vraiment un oracle d'incantation. Incantation, attention à ne pas se méprendre, hein, souvent incantation est reliée à la sorcellerie, à la magie noire. Non, vous avez incantation dans toute chose. Hein. Donc là, c'est des incantations de bien-être, de recoder en soi des qualités qu'on souhaite développer, intégrer des choses qui nous manquent aussi, voilà, comme la confiance en soi, la joie de vivre, des choses comme ça. Donc certes, le ciel me bouscule un peu en ce moment, mais c'est comme ça. Je sais plus pourquoi je suis partie là-dessus, le 10-10, octobre, voilà. Donc mise à jour aussi en octobre. Octobre est un mois qui appelle à la transformation. Vous savez que fin octobre, début novembre, hein, le 31, Samhain. Alors, Samhain, Samhain, hein, plusieurs façons de le dire. Je sais que dans son origine, on l'appelle Samhain. Et en fait qui est aussi donc maintenant approprié à Halloween, mais à la base qui est donc une fête celtique païenne qui honore donc honore les morts, hein, pour certaines, que je dise pas de bêtises, mais pour certains peuples c'est même nous, hein, de toute façon c'est la Toussaint, etc. Mais qui qu'est-ce que j'allais dire? C'est fou, hein, ça part vite dans ma tête. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Pardon. Mais voilà, c'est vraiment des transitions. C'est vraiment... on rentre dans une période d'intériorisation. On rentre dans une période d'introspection. Et en cela, on transforme des choses. Donc, tout ce mois d'octobre nous appelle à remettre à jour certaines choses dans notre vie, à se transformer pour toujours pour du mieux forcément, mais pour renaître à quelque chose de nouveau. Bon, on va regarder ça maintenant ensemble. Je vais vous lire l'incantation. Vous êtes invité à fermer les yeux ou pas, mais surtout à intégrer ce qui va être dit au son de ma voix. Je vais déplacer les bougies, je crois. C'est bien joli, mais on va pas pouvoir les garder
Je vais être obligée de les mettre là. Voilà. Donc, hop. Alors, on va commencer par l'incantation de Samhain. Et j'irai voir aussi, enfin, je vous montrerai quelque chose de très près. On commence. Je meurs de mon passé, par qui les aléas me laissèrent dévastée. C'est l'heure de te laisser, toi, l'ancien moi qui m'a blessée. Le jour est là, je dois passer ce tour de roue qui a sonné. Je reprends alors vie et redonne vie à mes envies. Je suis le changement, la transcendance. Calmement, je me délivre des dépendances. Aux êtres féeriques qui m'entourent jour après jour. Merci pour votre présence subtile qui me sera toujours utile. À savoir que cette incantation aussi fait appel aux esprits de la nature qui sont très présents aussi dans cette période 31 octobre puisque le voile s'affine, hein, vous le savez. Donc on a plus de chances de les voir, tout comme le 1er mai aussi. Voilà, c'est ce qui est dit, c'est voilà. Alors après il y a différentes certainement croyances à travers ça, mais moi j'aime le croire en tout cas. Bon, même si je suis connectée toute l'année avec eux, mais bon, voilà. C'est vrai que les fois où je les ai vus, hein, c'est toujours eux qui se montrent à moi et non pas, je ne peux pas le décider. C'était en mars et alors l'autre, je ne sais plus c'était quel mois. Après je les ressens. Qu'est-ce qu'il y a en méditation aussi, je les vois, mais de les voir vraiment voir, ça m'est arrivé, que je dise pas de bêtises, que deux fois. Les êtres féeriques, je parle, hein, après j'ai vu d'autres choses, mais en être féerique, c'est deux fois. Mais c'était pas forcément voilà, dans des périodes de transition, 31 octobre. Donc, Alors voilà, donc vous avez compris à travers cette incantation qu'on nous invite à transcender, à traverser ce pont en laissant le passé derrière soi, tout en le comprenant, ne pas le refouler, mais le comprendre, pourquoi, voilà, hein, tout ce qu'on a vécu, mais changer, opérer la transformation, ne plus rester dans un schéma qui ne nous convient plus, dans nos traits de caractère, dans nos façons d'agir, dans nos façons de parler, dans notre être véritable. Et donc, je meurs de mon passé, par qui les aléas me laissèrent dévastée. Ouf. Allez, hop, ok. On coupe, on laisse, on change, on renaît pour quelque chose de nouveau. C'est l'heure de te laisser, toi l'ancien moi qui m'a blessé. Hein, toutes nos blessures, toutes ces choses qui étaient là, on avait besoin de les traverser. Hein, faut pas refouler. C'est vraiment intéressant de savoir que les épreuves ne sont pas là pour rien. Il n'y a pas de hasard. Donc voilà, le jour est là, je dois passer ce tour de roue qui a sonné. C'est le moment. Je reprends alors vie et redonne vie à mes envies. Donc vraiment, renaissez. Remettez votre petite flamme intérieure. Donc vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai allumé les bougies. Mais je vais vous la tenir. Remettez votre petite flamme intérieure en vie. Ravivez votre flamme intérieure. Souvent, en octobre, on va sentir que notre flamme s'éteint, que notre pouvoir s'éteint, que notre divinité aussi, notre croyance, notre foi peut s'éteindre, qu'on n'a plus foi en rien, plus on ne croit plus en rien. Mais là, on vous dit, en ce mois d'octobre, de vous renouveler, de renaître, de raviver cette flamme intérieure. Tout simplement. Comment on le fait? En faisant justement ce type d'incantation. En intégrant quand on lit les choses, en les intégrant dans nos cellules. Quand on lit, on ne lit pas juste comme ça, on lit en intégrant vraiment, en conscience, qu'on est en train de lire. Ok? Et le 10-10, justement, c'était aussi le pouvoir du féminin sacré. C'était le pouvoir créateur aussi, hein, ce portail-là. Voilà, ça me revient.
Ce tour de roue qui a sonné, je reprends alors vie et redonne vie à mes envies. Je suis le changement, la transcendance. Calmement, je me délivre des dépendances. C'est le moment pour toute personne qui subit des dépendances, qu'elle soit affective ou en lien avec des addictions comme la cigarette ou autre. C'est le moment de faire un travail sur soi. Le mois d'octobre est très propice à vous aider là-dessus. Calmement, je me délivre des dépendances aux êtres féeriques qui m'entourent jour après jour. Merci pour votre présence subtile qui me sera toujours utile. N'hésitez pas aussi dans vos moments de faiblesse à demander de l'aide, à tout simplement demander l'aide de vos guides, mais aussi de... comment dire, de si vous êtes près de l'univers féerique ou des êtres féeriques, vous pouvez aussi demander une guidance à travers un être qui vous accompagne. Hein. Il y a beaucoup de personnes connectées au dragon aussi, à leur dragon, c'est très puissant. Voilà. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je vais me remettre là, parce qu'en fait, j'ai un peu déconnecté. Tellement de choses à gérer dans mon travail en tant que maman. Je rappelle que je suis une maman solo, donc c'est pas évident. Je suis vraiment solo, de chez solo. Hein, voilà. Donc c'est du H24, c'est du tout. Voilà, c'est vraiment quand il y a de l'école que je peux travailler, mais j'ai tellement de choses à faire entre les créations et les éditions Atlantis, plus une autre mission en parallèle où on m'a appelé, le divin m'a vraiment appelé à travailler là-dessus. Bon, bah, et plus le travail intérieur, c'est très difficile. Donc c'est vrai que j'ai tendance à mettre le travail intérieur de côté pour actionner ce que je dois faire. Mais au final, l'univers nous rattrape en disant non, t'as besoin de moments de pause. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous coupe l'énergie. Ce qui fait qu'on ne peut plus travailler, on ne peut que aller s'allonger et se ressourcer. Donc là, j'ai vraiment décidé de reprendre vraiment mon yoga matinal que j'avais un petit peu mis de côté depuis cette rentrée. Voilà, donc je vous parle de moi parce que je vous invite à faire de même. Je vous invite à vous prendre quelques petites minutes le matin pour faire des étirements, peut-être des petites, si vous connaissez le yoga, un étirement de yoga qui vous plaît, une posture qui vous plaît, ou faire une méditation, une petite méditation de 5 minutes pour vous reconnecter à la lumière divine, à la source, et à vraiment vous connecter à l'amour universel. C'est vraiment quelque chose que j'ai reçu ce matin, c'est de se réaligner et de se connecter avec la divinité, avec la lumière divine et l'amour universel. Ce sont deux termes qui m'ont été clairement, voilà, alignés ce matin. Amour universel, lumière divine. Ok ? Donc je vous invite vraiment aussi, quand vous avez voilà, des faiblesses, à demander l'aide de vos guides. C'est impressionnant, moi je répéterai jamais assez, mais la prière, c'est vraiment très fort. Et quand dernièrement, j'ai eu vraiment une chute, hein, une chute même vertigineuse à tout niveau dans mes croyances. Voilà, et je me suis mis à prier. J'ai pleuré parce que j'avais besoin d'expulser mon inconfort. J'avais pas forcément de mots dessus, mais j'avais besoin de me libérer d'un trop-plein de mémoires qui revenaient à moi. Et en fait, j'ai prié. Et de suite, mais en même temps que je priais, je recevais un appel qui, j'ai pas décroché parce que j'étais en pleine prière, mais j'ai rappelé tout de suite après, et qui m'annonçait quelque chose qui était très, qui me disait non, vas-y, continue, tu peux toujours croire en toi, t'es sur ta voie, t'es sur ton chemin de vie, y a pas de problème, non. Voilà, c'est des fois. En tant que... Donc c'est vraiment merveilleux, ça m'est arrivé plusieurs fois, et à chaque fois l'univers, non, tu vas pas nous faire le coup, tu te remets à l'œuvre, t'es faite pour ça, c'est comme ça, tu... Voilà, il faut être... Mais c'est pas évident, je vous le dis, c'est pas évident d'être toujours dans la foi quand on fait ce métier-là. D'être, je veux dire, tout le temps assidu, tout le temps aligné. On a nos zones de faiblesse qui arrivent, et on a aussi des énergies peut-être nuisibles aussi, hein, qui viennent, hein, quand on travaille dans la lumière, on a souvent des énergies nuisibles qui viennent nous embrumer, et qui viennent nous mettre un flou, et qui viennent nous... Voilà, nous baisser en énergie. Donc, faut être costaud. Alors, on a aussi donc dans ce mois d'octobre le souffle sacré.
très très bon quand vous avez une douleur, un mal-être. Vraiment, allez regarder ce rituel qui est vraiment secret, que je ne divulguerai pas ici, hein, c'est pour ceux qui ont le grimoire d'opale, mais qui est une guérison par le souffle sacré et par surtout l'amour. J'en dis plus dans le grimoire, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a été enseigné par les guides. Ça a été fabuleux d'avoir reçu cette méthode de guérison en totale guidance. La nuit. Voilà, ensuite on a le rituel du chaudron sacré. Donc là on est tout simplement avec cette carte qui est vendue séparément, hein, comme une sorte de carte postale, mais qui est en fait une carte rituelle. Donc vous avez le petit rituel au dos avec l'illustration devant, donc parfaite aussi forcément pour cette période. Donc je vous invite à en offrir à vos amis, ils seront très contents. C'est un petit rituel qui nous invite à, quand on fait de la cuisine ou quoi, à émettre, à mettre dans notre marmite, dans notre chaudron, des intentions. Et ensuite, touille, touille ma jolie cuillère, que ton pouvoir exauce mes prières. Je te demande, je te le demande, joli chaudron, que ta magie porte à foison. Miracle, éveille-toi, par ce pentacle je te fais foi. Abracadabra, mon rêve se réalisera, abracadabra, il est déjà là. Voilà, donc vous l'avez sur cette carte, vous avez un petit peu plus d'explications avant. Et là on a l'incantation de l'introspection, donc on va la faire, je vais vous la lire. Vous avez derrière les rituels eau de lune, alors c'est, voilà, d'ailleurs je vais me le faire le rituel d'eau de lune, ça aussi c'est quelque chose que j'ai trop mis de côté. Merci mon grimoire, parce qu'il me rappelle lui aussi qu'il est bon que je fasse, hein, c'est bon, et ça serait bien aussi si j'ouvre un peu plus mon grimoire, parce que c'est moi qui l'ai fait, mais comme vous le savez, le cordonnier est le plus mal chaussé, et on est sur d'autres créations, et on gère des choses, et ta-ta-ta-ta-ta, et on s'oublie. Donc l'eau de lune, très important, et vous avez une incantation pour l'eau de lune, donc qui est dans le grimoire, où vous pouvez, donc, vous avez comment faire votre eau de lune, mais aussi l'incantation pour l'eau de lune. Voilà, après on est dans les recettes très, j'allais dire halloweenesque, dans les recettes très, voilà, de cette période avec le jack-o'-lantern, le pumpkin chai relax, qui est une sorte de tisane, ou pumpkin spice, le pumpkin spice butter d'ailleurs, mince, j'ai oublié de le filmer, oh non, je voulais le filmer et j'ai oublié, voilà, ça, j'ai fait mon pumpkin spice butter qui est un confiture de citrouille en fait sur ce week. Non, c'est quand je l'ai fait? Bah dimanche. Bah mince. Voilà, j'ai oublié de le filmer. Je voulais. Oh, je suis nulle. Et le pumpkin spice smoothie que je vous avais montré dans le dernier vlog. Voilà. Donc on va finir ce vlog avec l'introspection. Dans ce besoin de calme et de tempérance, je me pose et j'observe qui je suis, qui je veux être, ce que je suis venu faire. Aussi loin que se souvient mon âme, dans sa quête d'omniscience, je me rappelle et j'observe ce que je veux corriger, changer, transmuter. Dans un coin de mon âme, les mémoires se cachent et font preuve de patience. Je médite et rêve pour ouvrir la porte de mon inconscient, les voir et les comprendre. Alors une vie nouvelle s'éclaire par la clarté de mon esprit qui fait le tri. Je me renouvelle, mes idées sont plus claires et je souris à la vie. Quand vous faites cette incantation d'introspection, vous pouvez aussi ouvrir les mains et recevoir la lumière divine en faisant cette introspection. Vous pouvez tout simplement demander soit la lumière divine ou soit une énergie de guérison pour vous. Et ensuite, vous mettre sur les chakras. Moi, ce matin, par exemple, c'était mon chakra du cœur et mon chakra du plexus solaire. D'accord ? Laissez-vous guider. Laissez-vous guider, vos mains vont se placer d'elles-mêmes. Dans ce besoin de calme et de tempérance, on a besoin aussi de souffler. Je vous invite à quelque chose qui me sert beaucoup en ce moment. Quand on sent des énergies un petit peu trop d'énervement ou d'agacement, ou on a un petit...
ça part un peu dans tous les sens. On est fatigué, on est en fin de journée, faut pas nous chercher, on est un petit peu à cran. Mettez du jazz. Mettez du jazz chez vous, ou du piano bar. Personnellement, je mets vous savez, sur YouTube, les vidéos où on a un fond, les ASMR, on appelle ça, ou les images d'ambiance, qui ont du jazz d'ailleurs dessus. Et vous mettez, voilà, moi j'aime bien mettre des espèces de petits pubs anglais avec la vitre et puis on voit la pluie tomber. Voilà, je mets ça sur mon fond d'ordi, j'ai un très gros ordi. J'ai pas de télé, hein, donc j'ai un gros ordi et donc je mets ça dans mon salon. Et non seulement j'ai cette image qui m'apaise, mais j'ai surtout le jazz qui est là. Donc je vous dis piano bar, jazz. Mais du jazz relax, hein, voilà. Et vraiment, vraiment, ça apaise toute tension et ça donne une énergie dans la maison de sérénité. Et on est beaucoup plus posé, on est beaucoup plus calme. Et là, ce soir, je l'ai fait, je l'ai mis dans mon salon, ma petite jouait à côté et moi, je faisais quelques étirements de yoga. Voilà, c'est pas longtemps parce que j'avais pas trop le temps, je vais faire la cuisine et je fais la cuisine au son du jazz et tout de suite, je suis beaucoup plus sereine. Je suis beaucoup plus sereine. Quelques petits étirements de yoga, voilà, dans le salon en écoutant ça. C'était parfait. Je vous invite vraiment à le faire. Ça, vous allez voir, vous allez être surprise. Surpris ou surprise. Donc, voilà, c'est parce que hein, ça nous invite à nous calmer, à nous recentrer. Aussi loin que se souvient mon âme dans sa quête d'omniscience, je me rappelle et j'observe ce que je veux corriger. D'accord ? Donc, on laisse nos mémoires venir. On essaie de se poser des questions aussi. Pourquoi je suis comme ça? Quelle est cette peur? Pourquoi? D'où elle vient? Vous fermez les yeux, vous méditez, vous demandez de la guidance. Il y a des images qui vont vous venir, peut-être qui ne sont pas de cette vie-là. Peut-être que vous allez voir un film qui arrive. On va peut-être vous montrer un film que vous avez vu. Mais si on vous montre ce film, c'est pas parce que vous l'avez vu hier ou et vous allez vous dire « Ah, mais c'est mon mental ». Non! Si c'est ce film qui vient à vous, c'est qu'il a une résonance avec vos mémoires. Donc laissez monter. Et essayez de comprendre. Des peurs d'insécurité financière, vous allez peut-être avoir un film qui arrive avec des grandes pertes. Peut-être un film sur ce qui s'est passé à la guerre ou dans les camps de concentration. Ou ça peut être en Inde, avec un film d'Inde en Inde avec la pauvreté. Ça peut être un enfant abandonné, ça peut être l'histoire d'un enfant abandonné, ça peut être tellement de choses, d'accord ? Faites-vous confiance dans vos guidances, méditez là-dessus. Et laissez venir les images qui arrivent. Dans un coin de mon âme, les mémoires se cachent et font preuve de patience. Elles sont là, elles attendent aussi le bon moment, mais vous allez enlever couche par couche. Vous avez déjà commencé, je le sais, sinon vous n'auriez pas ce grimoire entre les mains, déjà. Je sais que vous avez déjà commencé. Mais c'est couche après couche, on enlève jusqu'à la libération la plus totale. C'est un long processus, très long processus. Mais si vous êtes là, que vous regardez cette vidéo toujours là, à cette heure-là, tant de vidéos, c'est que vous êtes prêt. Je médite et rêve pour ouvrir la porte de mon inconscient, les voir et les comprendre. D'accord ? Donc ça, vraiment, laissez-vous guider en méditation. Acceptez les images qui vous viennent, les symboles qui vous viennent pour vraiment comprendre aussi vos petits mal-être, vos inquiétudes et vos insécurités. Alors une vie nouvelle s'éclaire par la clarté de mon esprit qui fait le tri. Et oui, vous allez pouvoir comprendre, tiens, ça vient de là, ça peut venir de là. Et vous allez travailler là-dessus. Vous allez dire, oui, mais en fait, voilà. Et allez, on nettoie. On nettoie, on nettoie. Je me renouvelle, mes idées sont plus claires, je souris à la vie. Plus vous allez faire ce travail, plus vous allez libérer les choses et plus les choses vont devenir lumineuses sur votre chemin. D'accord ? C'est vraiment, là en ce moment, il y a une accélération, je vous dis, du temps, mais des vibrations. Les vibrations sont beaucoup plus hautes. Je le sens, je le vis. Ce que vous allez faire, le travail que vous allez faire sur vous, il va être amplifié, il va être accéléré. Il va se voir beaucoup plus vite que ce qui ne se voyait il y a 10 ans. Enfin, je veux dire, le processus va s'accélérer. D'accord ? Donc voilà mes amis. Faites votre eau de lune, moi je vais la laisser, tiens, hop, je vais laisser ouvert sur mon eau de lune pour que j'y pense. Alors, l'eau de lune, vous pouvez la faire à la pleine lune, bien sûr, mais vous pouvez faire aussi, pardon, vous pouvez la faire aussi au soir du 31, en déposant votre bouteille d'eau de lune au pied d'un arbre,
et tout simplement faire l'incantation qui est là pour votre transformation. Voilà, il y a l'eau de lune en pleine lune, mais pour moi, il y a aussi, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc l'eau de lune, vous la consacrez, c'est une eau aussi que vous allez mettre à la lumière de la lune, parfois pour des dates précises, ou pour une nouvelle lune, par rapport à un travail introspectif, pour un travail intérieur, une nouvelle lune, et une pleine lune pour un travail émotionnel beaucoup plus dans la réalisation concrète. Voilà, vous adaptez, d'accord ? Donc moi, là, on a pleine lune, on l'a passée. De toute façon, je l'ai suffisamment ressentie. J'avais pas besoin d'une autre pleine lune. Elle était déjà super puissante. Renseignez-vous aussi sur la lune, hein, comment elle est et tout. Bon, voilà, faut que ça soit bon aussi pour vous. N'allez pas faire une autre pleine lune en pleine lune qui va déjà secouer. Et puis, vous êtes, voilà. Laissez-vous porter. Informez-vous aussi. Voilà, mes amis. Sur ce... Je vous embrasse. N'oubliez pas donc de raviver votre flamme. Ça, c'est une belle bougie que j'espère que la personne qui me suit reconnaîtra. Ça a été un cadeau d'une personne magnifique, bougie de la prospérité. Ah, ça y est, le petit, ils sont plongés. Elle est magnifique, cette bougie. Vous ne la voyez pas, mais elle est turquoise à quoi. Oh, très, très belle. Donc, voilà. Je vous invite sur ce... à raviver votre flamme en ce mois d'octobre. Bye bye! De guérison pour la transformation et l'introspection de soi.
beaucoup.